Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour la dernière semaine de ce mois d'octobre. Que cela a passé vite ce mois, n'est-ce pas? Nous sommes lundi 28 octobre 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un beau week-end. On termine avec Chemin de soi. Le petit message de Ho'oponopono, et puis avant de commencer, eh bien, la pensée positive de ce 28 octobre. Donner encore. Il faut savoir donner sans regret, sans rien attendre en retour. On peut donner de l'attention, un petit présent, un petit coup de téléphone, de l'amour. Lorsqu'on le fait sincèrement et sans arrière-pensée, sans autre préoccupation que de le faire et de faire plaisir, eh bien, on ressent une immense plénitude. Beau message, n'est-ce pas? Belle pensée positive. En tous les cas, lorsque moi je donne, eh bien, cela me fait tellement plaisir. Et je suis sereine à ça. J'aime donner et voir les autres heureux. Allez, eh bien, j'ai pigé la carte numéro 26 pour ce lundi 28 octobre. Encore une fois, ça parlera à certains, ça ne parlera pas à d'autres. Vous avez toujours le libre arbitre. Et là, c'est un petit conseil de cette carte. C'est un conseil avec cet oracle. Ce sont des conseils. Soyez bien à l'aise hein, pour prendre ce qui vibre en vous. Si tu te sens perdu, abandonné, ignoré, eh bien, cherche en toi ce qui a provoqué ce sentiment. Aime ce manque, car dans l'amour, eh bien, tout se répare. Côté professionnel, eh bien, pour certains d'entre vous, vous vous sentez peut-être pas vraiment à votre place professionnelle ou vous avez peur des reproches. Eh bien, sachez que vous êtes justement à votre place et qu'il vous faut, eh bien, apprendre à aimer ce que vous faites sans attendre d'éloges, sans attendre qu'on vous dise « bien oui, c'est bien », faites-le tout naturellement sans rien attendre. Côté finance, le conseil, ne vous perdez pas dans les dépenses inutiles pour vous sentir exister. Si vous avez des projets, préparez-les avec amour en prenant tout votre temps. Côté sentimental, le conseil, eh bien, pour certains d'entre vous, il se peut que votre chemin sentimental connaisse un certain déséquilibre. Eh bien, ne cherchez pas à fuir ce qui vous dérange. Acceptez et regardez le problème en face. Et c'est ainsi que vous pourrez agir sereinement pour vous. Vous savez, l'amour prend d'abord racine en vous-même, n'est-ce pas? Et si vous ne vous aimez pas, comment voulez-vous aimer l'autre? Je termine avec le conseil pour la spirituelle. Il n'existe aucun rejet du monde spirituel. Si vous vous sentez oublié
demandez-vous si ce n'est pas vous-même qui vous êtes simplement oublié. La spiritualité, eh bien, elle ne ferme aucune porte. Alors, qu'attendez-vous pour ouvrir votre cœur? Il est grand temps. Vous avez peut-être mis votre cœur dans une cage. Et vous avez mis un cadenas à cette cage. Ouvrez cette cage. Ouvrez votre cœur. Beau message pour commencer la semaine, n'est-ce pas? Et je termine avec le message Ho'oponopono. En prenant la responsabilité des événements, eh bien, je garde le pouvoir sur ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie. Car c'est ainsi que nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise, avec notre pensée. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour des nouveaux messages et puis une guidance intemporelle. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.